peuple et mes bêtes de grâce sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs et les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains. Jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Amen. Lisons également dans Apocalypse, chapitre 19. Ya ufunuo 19, 7 à 8. Mstari wa 7 na wa 8. Apocalypse 19, 7 à 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Voici de quoi nous voulons parler. Le costume des noces. Amen. Le juste après le culte, ce message sera disponible. Ça ne traduit pas nécessairement la réalité. On peut composer une fable où le canard va se marier à la fille du cheval. Vous voyez, cela n'est pas, ça ne peut pas se réaliser. Mais tandis qu'une parabole,
tout ce qu'on raconte là, yote banasema mule ndani, ce n'est pas un événement vécu, non. Aina mambo ilifanika pana. Mais c'est une histoire composée, ni neno banatunga, mais qui traduit la réalité. Inafundisha ukweli. Pour exprimer notre situation à la fin, konesha mambo yetu kumwisho, à la fin de la course, kumwisho ya safari, l'image, picha, c'est celle d'une fête. Ni ile ya karamu. On a beaucoup parlé d'une fête banasemea sana karamu. Dans la Bible. Mubiblia. C'est pour cela que même chomana tena, Dieu avait institué trois fêtes comme fêtes obligatoires. Na Mungu aliweka makaramu tatu ya kulazimishwa. Tous les mâles âgés de 20 ans et au-dessus devaient obligatoirement se rendre. Banaume ba miaka makumi mbili lazima bende. Pourquoi est-ce que cela avait été rendu obligatoire? Jua nini likuya lazimisho? Parce que Dieu voulait signifier Mungu alipenda kuonesha au peuple d'Israël na taifa Israeli que la conclusion de toute sa relation avec Israël, c'est une fête. C'est à quoi il nous invite. C'est à une situation comparable à une fête. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de fêtes dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et le récit là de trois grandes fêtes en Israël, tu es serviteur de Dieu. Amen. Amen. C'est une politique du diable pour endormir les gens afin qu'ils se réveillent quand ça sera trop tard, à minuit. Quand la voix va crier, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Il se rend compte qu'il n'a jamais été baptisé. Et commence à aller chercher vite
les gens qui baptisent. La Bible dit que pendant que les vierges folles allaient pour chercher l'huile qui leur manquait, la porte fut fermée. Ils sont venus tambouriner à la porte. Ouvre-nous. Amen. En résumé, voici. L'invitation, c'est quand tu crois et que tu te fais baptiser dans l'eau. On te plonge, tu peux même mourir. On va diagnostiquer, il est mort de quoi? De faim. Mais avec ton invitation, amen. 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 Il y a d'autres qui négligent. On néglige pourquoi? La Bible parle des préoccupations et des occupations de la vie. Le champ, Shamba, le commerce, Biashara, le mariage, la vie conjugale, Maisha ya ndoa, etc. C'est à partir de ces choses-là que quelqu'un peut ne pas beaucoup s'atteler aux choses de sa foi à cause du mariage, à cause de son champ, à cause de sa profession. Il n'a pas beaucoup de temps. Amen. Donc il néglige l'invitation. Alors, le maître de la cérémonie, quand le moment est arrivé pour commencer la fête, il se rend compte que il n'y a pas suffisamment de gens. Parce qu'il a préparé beaucoup de choses. Imagine-toi, tu tues même 3 vaches. 10 moutons. Une quantité incalculable de riz, de pommes de terre, de jus. Mais il n'y a que 15 personnes qui viennent. Alors ça, tu peux comprendre ça comment? Toi, tu avais invité même 3000 personnes. Il n'y a que 15. Donc, est-ce un sabotage? C'est une insulte. C'est quoi? Donc, je ne suis pas bien avec les gens ou comment? Alors, le maître de la cérémonie était contrarié. Peu importe, je ne vais pas jeter mes biens. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui mangent ça. Il avait invité des gens d'une certaine catégorie. Ils ont refusé de venir. Donc, ok, pour que je ne jette pas, allez, ramassez n'importe qui. Remplissez-moi la salle de fête. Amen. Ces travailleurs sont allés prendre tout ce qu'ils trouvaient. Ils sont venus. Et ils sont entrés. Avant de commencer la fête, le maître est entré pour souhaiter la bienvenue aux convives. Dire le mot de circonstance, leur souhaiter bon appétit. Il est entré et quand il a promené son regard dans la salle, ses yeux s'arrêteront sur quelqu'un. Je ne sais pas comment ils appellent cette forme de style. Je crois que c'est un style dramatique. Quelqu'un est déjà entré dans la salle.
tu serais déjà entré là-dedans. Ataka monicha kuingia ndani. Mais si tu n'as pas le costume approprié, auna na ile vazi wanahitajia, quand même tu serais déjà entré, ataka mulendani, on va t'en faire sortir. Atakutosha mo. Donc c'est comme pour dire que nikusema kwamba que même si tu pouvais être déjà entré, si on contrôle, on trouve que tu n'as pas ce costume là, même si tu as déjà commencé à grignoter un tout petit peu, on va te faire sortir du ciel. Est-ce que vous me comprenez bien? Alléluia. Voici comment se présentent les choses. On a vu les bintu binafanika. La sanctification, utakaso, pour bien comprendre ça, juelewe mzuri, c'est la propreté, la toilette du corps usafi, qui va entrer là. Jo utaingia. Quelqu'un qui n'est pas sanctifié, ula ana na utakaso, c'est comme quelqu'un qui a des mottes de boue et des crasses sur ce corps. Eko na matope pa mwili. Donc, quelqu'un qui est sanctifié, ule comme quelqu'un qui a bien fait sa toilette, ule rinawa mzuri, il s'est même parfumé, anajipakala manukato, pour aller à la fête, toenda kukaram. Mais ce n'est pas tout. Ayeneye. Alléluia. Si quelqu'un s'est très bien lavé, kama mtu rinawa mzuri, j'imagine que si c'est une femme, kama ni mwanamke, le jour de la fête, Shiku ya karamu. Elle peut mettre même une heure et demie dans sa salle de bain. Et encore 30 ou 40 minutes devant son miroir. Invitation. Donc, il a l'invitation. Mais il ne s'en soucie pas. Tu peux la mettre à un endroit où les rats peuvent passer prendre. Tu peux la mettre à un endroit où un enfant peut prendre et jouer avec. C'est comme ça un chrétien qui sait dans son cœur. Et Jésus est Seigneur. Mais il ne fait aucun effort. Aucun effort pour avancer comme les autres. Tu sais, tout à l'heure, là, on a parlé des cartes de membres. Nous avons dit qu'il faut avoir une carte de membre. Et on donne pas la carte de membre à quelqu'un qui vient de temps en temps à l'église. On ne connaît même pas s'il est vraiment engagé ou pas. On ne lui donne pas une carte. C'est quelqu'un
qui vient quand même, il vient pour écouter la parole de Dieu, il vient pour prier, etc. Mais il n'a pas d'engagement. Et si vous lui dites comme ça, comme ce qu'il reste avec leur église là. Depuis quand est-ce que dans une église il faut des cartes et des marques? Donc c'est quelqu'un qui prend à la légère tout ce qu'on dit au sujet de sa foi. Il ne croit pas que c'est important. Tu sais quel est le jour où il saura que c'était important? Ce sera le dernier jour. Quand la voix va dire, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors il se rend compte qu'il était négligent par rapport à sa foi. Il négligeait tout. Il sabotait tout ce qu'on dit. Il méprise. C'est ce jour-là qu'il saura que, tiens, donc tous ces éléments qu'on donnait comme critères là, donc c'était important. Il va commencer à aller chercher, alors que c'est déjà trop tard, aller chercher à se mettre en règle. Trop tard. Amen. Amen. Question. Est-ce que tu as une invitation? Deuxième question. Est-ce que tu soignes bien cette invitation? Le salut, nous l'avons par la foi. Nous ne l'avons pas encore saisi. Nous attendons. Si, la Bible dit, si on possède quelque chose, est-ce qu'on peut encore l'espérer? Donc si nous espérons, ça veut dire que c'est quelque chose qui vient. Nous sommes comme des gens. Prenez un autre exemple. Quelqu'un vient, il dit qu'il a des conteneurs de sacs de farine à distribuer. Que ce soit gratuitement ou à vendre. C'est dans une situation de pénurie. Alors, tu donnes l'argent. On t'inscrit. On te donne le jeton. Pour que dès qu'on va ouvrir le conteneur, tu présentes le jeton, on te donne la farine. Le jeton là qu'on t'a donné, c'est la farine. Mais seulement présentement, tu ne peux pas le manger. Amen. Tant que tu as le jeton, tu as l'assurance que j'ai la farine. Mais seulement, tu ne peux pas mettre cette farine là maintenant. Là, la marmite est préparée, tu attends. Mais le jeton là te rassure que dès qu'on ouvre le conteneur, tu es de ceux qui vont prendre la farine. C'est comme ça qu'il faut prendre, comprendre le salut aujourd'hui. C'est un jeton qu'on t'a donné. Dès que le moment sera venu, c'est ceux qui ont ces jetons là qui vont entrer en possession de la chose. Donc c'est l'invitation. Amen. Si tu es invité à une fête, même s'il y a abondance de nourriture et de boissons à la fête là, mais en attendant, tu peux crever de faim. Tu peux crever de faim. Tu as l'invitation, mais jusque là, la fête n'a pas encore commencé. Tu ne manges pas. Tu peux même mourir. On va diagnostiquer les morts de quoi? De faim. Mais avec ton invitation, amen. 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 Il y a d'autres qui négligent. On néglige pourquoi? La Bible parle
nasemea des préoccupations et des occupations de la vie. Masumbuko ya maisha. Le champ. Shamba. Le commerce. Biashara. Le mariage, la vie conjugale. Maisha ya ndoa. Etc. Na bingine. C'est à partir de ces choses-là itokea bile bintu que quelqu'un peut ne pas beaucoup s'atteler Muda. Aux choses de sa foi à cause du mariage, à cause de son champ, à cause de sa profession. Il n'a pas beaucoup de temps. Amen. Donc il néglige l'invitation. Alors le maître de la cérémonie, quand le moment est arrivé pour commencer la fête, il se rend compte que il n'y a pas suffisamment de gens parce qu'il a préparé beaucoup de choses. Imagine toi, tu tues même 3 vaches, 10 moutons. Une quantité incalculable de riz, de pommes de terre, de jus. Mais il n'y a que 15 personnes qui viennent. Alors ça, tu peux comprendre ça comment? Toi, tu avais invité même 3000 personnes. Il n'y a que 15. Donc, est-ce un sabotage? C'est une insulte. C'est quoi? Nini? Donc je ne suis pas bien avec les gens ou comment? Alors le maître de cérémonie était contrarié. Il dit, peu importe, je ne vais pas jeter mes biens. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui mangent ça. Il avait invité des gens d'une certaine catégorie. Ils ont refusé de venir. Donc, ok, pour que je ne jette pas, allez, ramassez n'importe qui. Remplissez-moi la salle de fête. Amen. Ces travailleurs sont allés prendre tout ce qu'ils trouvaient. Ils sont venus. Et ils sont entrés. Avant de commencer la fête, le maître est entré pour souhaiter la bienvenue aux convives. Dire le mot des circonstances, leur souhaiter bon appétit. Il est entré et quand il a promené son regard dans la salle, ses yeux s'arrêteront sur quelqu'un qui n'a pas le costume de fête. Amen. Bon, les gens qui ont étudié la littérature, les littéraires, je ne sais pas littéraire. Comment ils appellent cette forme de style. Je crois que c'est un style dramatique. Quelqu'un est déjà entré dans la salle. Il est même déjà assis à la table là, son plat est devant lui. On vient l'en extraire in extremis. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le salut, la fête là, il est caram. Même si tu serais déjà entré là-dedans, mais si tu n'as pas le costume approprié, quand bien même tu serais déjà entré, on va t'en faire sortir. Donc c'est comme pour dire que quand bien même tu serais déjà entré au ciel, tu es déjà assis à la table avec Abraham, Isaac et Jacob. Tu sens déjà
Le parfum des épices et la cuisine du ciel. Il ne reste plus qu'à souhaiter bon appétit à tout le monde. Tu es déjà là en place. Mais il y a certaines choses telles que si tu ne l'avais pas accompli, quand même tu serais déjà entré, on t'en ferait sortir. Amen. Donc c'est comme une exagération, parce qu'il n'y a personne qui peut entrer à la porte du ciel, soit frauduleusement, soit avec des imperfections, non. C'est un accent que le Seigneur voudrait mettre sur le costume là, pour dire que c'est une condition sine qua non, telle que même si tu pouvais être déjà entré, si on contrôle, on trouve que tu n'as pas ce costume là, même si tu as déjà commencé à grignoter un tout petit peu, on va te faire sortir du ciel. Est-ce que vous me comprenez bien? Alléluia. Voici comment se présentent les choses. On a vu les bintu binafanika. La sanctification. Utakaso. Pour bien comprendre ça. Juelewe mzuri. C'est la propreté, la toilette du corps usafi qui va entrer là. Jo utaingia. Quelqu'un qui n'est pas sanctifié, c'est comme quelqu'un qui a des mottes de boue et des crasses sur ce corps. Donc, quelqu'un qui est sanctifié, c'est comme quelqu'un qui a bien fait sa toilette, il s'est même parfumé pour aller à la fête. Mais ce n'est pas tout. Alléluia. Si quelqu'un s'est très bien lavé, j'imagine que si c'est une femme, hein, le jour de la fête, elle peut mettre même une heure et demie dans sa salle de bain. Et encore 30 ou 40 minutes devant son miroir. Au total 2 heures, parce qu'il y a une fête. Une fête qui peut durer 2 heures. Hein. Alléluia. Si c'est elle-même la mariée, les cheveux, ça peut prendre toute la journée. Amen. Donc la sanctification, ce sont ces soins-là sur le corps-là qui va entrer, sa propreté. Mais quelqu'un qui est propre, bien parfumé, bien maquillé, bien rasé, bien coiffé, mais qui n'a même pas un millimètre carré de vêtements sur son corps, est-ce qu'il peut aller à la fête? Alléluia. Donc pour entrer, il faudra être saint, mais il faudra aussi être habillé. Alléluia. Alléluia. Le passage que nous avons lu en 2 Corinthiens 5, nous nous sommes arrêtés au verset 2. Mais si vous continuez, vous allez trouver qu'il y a cette condition-là que nous sommes désireux de revêtir notre domicile céleste à condition que nous soyons trouvés vêtus et non pas nus. Donc tu peux être saint, mais sans être vêtu, tu n'entreras pas. Avez-vous déjà vu même ici sur terre une fête comme ça? Où les gens pour aller à la fête, ils se lavent seulement très bien. Ils prennent la meilleure lotion, le meilleur parfum, le meilleur coiffeur. Mais ils n'ont aucun vêtement sur leur corps. Oui, il paraît que maintenant, dans le monde, il y a une catégorie de gens comme ça. Alléluia. Alléluia.
La sanctification est une chose. Utakaso ni kintu moya. Mais le costume en est une autre. Mavazi ni kintu kingine. Et le costume là c'est quoi? Ile mavazi ni nini? C'est par là que je vais terminer. Ipale tamaliza. Nous avons lu en Apocalypse. Tulisoma mufunuo. Vous avez déjà lu ça? Namunesha kusoma. Apocalypse 19, 7 à 8. Kuminatisa. Réjouissons-nous. Tufuraiwe. Soyons dans l'allégresse. Tuwe katika fura. Donnons-lui gloire. Tumutukuze. Car sabab. Les noces de l'agneau sont venues. Karamu ya mwana kondoo inafika. La fête de mariage. Karamu ya ndoa. Est là. Inafika. Et son épouse na bibi arusi s'est préparée. Anesha kulitayarisha. Mais la Bible ne s'arrête pas seulement là. Biblia ishimamie pale. Elle s'est préparée. D'ailleurs, elle se prépare maintenant encore. Moi, je me prépare. Toi, tu te prépares. Paul avait dit quelque part. Je tiens durement mon corps. Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Donc il fait des efforts de la toilette. Là où il sait qu'il y a une tache, il enlève. Là où il sait qu'il y a quelque chose qui me reste dans ma vie. Peut-être c'est la colère. Peut-être c'est l'animosité. Il se découvre que non, j'ai encore un peu là, quelque part, la médisance. Alors il enlève ça. Il passe même 3 heures dans sa salle de bain. Pour corriger ici. Pour laver, frotter là-bas. Avec du savon. Vous connaissez le savon? C'est le sang de Jésus. Il est en même temps savon et en même temps lotion. Il est en même temps parfum. Donc c'est unique produit là. Il est savon. Il est lotion. Il est parfum lui-même, poudre lui-même. C'est lui qui arrange l'épouse. Dans Ephésiens 5, la Bible dit, la dot, c'est encore son sang là. C'est avec ça qu'il a doté pour acquérir sa femme là. Et puis c'est toujours avec le sang là qu'il la prépare, qu'il la prête, il la lave, il la sanctifie pour la faire paraître devant lui-même attirante, attrayante. Amen. Mais il y a aussi le costume, parce que après avoir dit que son épouse s'est préparée, la Bible dit qu'il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant et pur. Et puis la Bible nous explique le tissu là qui est utilisé pour faire ta robe, pour faire ton costume. Ce tissu là, c'est toi-même qui l'achètes. C'est toi-même qui l'expédie à l'atelier. L'atelier est au ciel où l'on confectionne ta robe. Cet atelier est au ciel. Mais les matériaux, le fil pour faire la broderie, le tissu, c'est toi qui expédies ça à partir de la terre maintenant. C'est quoi? Nini? La Bible dit, nasema, ce sont les œuvres ni matendo juste ya waki, des saints. Ya batakatif. Donc il y a 3 choses. Bintu tatu. D'abord, ce sont les œuvres. Bele ni matendo. Les bonnes œuvres. Matendo ya muzuri. Il y a quelqu'un, kuko mwingine, qui est sanctifié. Eko mtakatif. Qui craint Dieu. Anamongopa Mungu. Il est vraiment calme. Eko mutulivu. Pacifique. Eko wa ukimia. Saint. Mutakatif. Mais il ne fait aucune œuvre. Ashifanye kaja ta moya. Aucune. Akuna. C'est quelqu'un qui va se retrouver. Ni ula da patikana. Il n'a aucun vêtement.
alors qu'il est très propre et très parfumé. Quand on va dire à tous ceux qui sont propres, à tous ceux qui se sont lavés dans le sang, quand on va leur dire de s'habiller maintenant, d'entrer là-bas dans le vestiaire, lui il entre dans sa garde-robe, il n'y a rien. Pourquoi? Il ne fait rien maintenant là. Aucune œuvre. Pourquoi est-ce que Jésus a conditionné que même si tu es déjà entré sans ce costume-là, on va te faire sortir? C'est pour dire la foi sans œuvre, c'est de la peine perdue. Amen. Tu as la foi, mais tu n'entreprends rien. Non. Alléluia. Dans notre église, mukanisa yetu, parfois, mara ingine, je suis étonné niku na shanga, quand je découvre un frère, une soeur, kama mina vumbula dada moya, membre de notre église, membre wa ikanisa, cette église-ci, ikanisa, tout le trafic que nous avons fait, l'Ikasi Lupaji, depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, lui n'a jamais été là. Quand je le regarde comme ça, je suis étonné. J'ai pitié, j'ai peur. C'est pas possible. Il y a plein d'œuvres ici. Et lui ne fait rien, absolument rien. Ou bien, et puis, regardez cette construction ici. On a imajengo. Des fois, nous distribuons des enveloppes. Tunakabula kata manvelope. Opération charpente. Yakunua charpente. Opération fondation. Tuya fondation. Opération ferron. Tuya kazi ya ferron. Opération gravier. Tuya muchanga. Alors, chaque fois qu'on a distribué des enveloppes comme ça, ville, tu écris ton nom sur l'enveloppe, kanchina, nous enregistrons ça en ordinateur. Il m'arrive des fois de commencer à feuilleter dans l'ordinateur, à parcourir Fulani ou Fulani. Vous regardez des opérations telles, Tijem. Opérations telles, Mukazi fulan, Tijem. Akuna kit. Opération telle, Mukazi fulan, Tijem. Akuna kit. Mais c'est pas possible. Aiwezekan. Est-ce que cet homme sait que nous sommes en train d'aller au ciel? Anajua tu kunenda kumbingu. Est-ce qu'il sait que anajua pour nous les saints, Shia batakatif, le tribunal va porter sur les œuvres. Kusamba ni pa matendo. Sur les œuvres. C'est sur base des œuvres que les saints seront partagés. Les saints à droite et les autres à gauche. C'est sur base des œuvres. Et qu'il sera dit aux saints, entrez dans la joie éternelle. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé par votre Père. C'est sur base des œuvres. Tandis qu'il sera dit aux autres, retirez-vous de moi, maudit. C'est sur base des œuvres. Amen. Il y a d'autres qui font quand même des œuvres, mais les œuvres qu'il fait, ça suffit pour confectionner juste un caleçon pour lui. C'est tout. Tout ce qu'il a déjà fait dans sa vie, ça suffit juste pour faire juste une cravate. Donc, il va entrer dans sa garde-robe là, il y a juste une cravate. Donc si quelqu'un sortait ici dans la cour sans le moindre vêtement, seulement avec une cravate, c'est un fou, n'est-ce pas? Amen.
Vous savez comment Dieu évalue nos œuvres? Par exemple, en matière de donation, il évalue ce que tu donnes par rapport à ce que lui t'a donné. C'est ça qui constitue la valeur du vêtement que tu vas avoir. Il y a quelqu'un qui n'a pas beaucoup de revenus, beaucoup de moyens, mais qui donne quelque chose, si minime soit-il. Mais quand on évalue ce qu'il a donné là, par rapport à son revenu, c'est plus important que ce que quelqu'un d'autre a donné. C'est en proportion. Alléluia. Quelqu'un n'a que 10 000 francs. Mwingine kona 10 000 francs. Il donne 1 000 francs à Dieu. Anamupatia Mungu 1 000 francs. Quelqu'un a 1 000 dollars. Mwingine kona 1 000 dollars. On dit de donner une offrande tout à l'heure. Lui aussi donne 1 000 francs. Mwete sadaka na yanaweka 1 000 francs. Musadaka. Alors maintenant, ça va se présenter comment? Son tissu, son vêtement. Na nguo yake itakuwa aje? Ça sera un vêtement qui sera, dont le tissu sera fait de fil de fin lin. Mais comme c'était insuffisant, on a mélangé aussi avec de la paille, juste pour couvrir. Et maintenant, quand tu vas porter une histoire là en paille, il se présente devant la porte du ciel. Yambingu, il ne va pas entrer. Chita ingia. Alléluia. Il y a quelqu'un mwingine tena qui fait un geste anafanya tendo de temps en temps. Mara moya moya. Une fois tous les 10 000 ans, il fait quelque chose. Mara moya tukumwaka anafanya ko tendo. Après, même maintenant, il fait encore un geste que lui-même trouve. Il croit qu'il a fait grand chose. Kisha miaka anafanya kwa tena kai kitu kengine. Alors, ça sera comment? Itakuya je. Usha konaka isenglei iko ya makilai, ya mantundui. Comme il a envoyé juste un peu de bobine. Kila natuma kwa tunyushi kiloko. Alors, on va faire un tissu comme un filet là. Batafanya kitu sa makila. Avec des mailles très grandes. Mantundu, mantundu. Comme ça, on lui donne à porter. Bila banampatia afuale. Quand il va arriver là-bas, wakati utafika, il va crier à l'injustice. Atasema ina hivi. Oh, pourquoi l'autre on lui a donné un bon costume? Jwani yako na nkochi mzuri. C'est en partie de la matière que tu as envoyée à l'atelier. Kufatana na bintu lituma kuchapu. Tu as envoyé juste de la matière comme ça. Ulituma tu bintu tu kiloko. Et puis, faites quelque chose. Si tu es dans un programme ici à l'église. Kama kumatengenezo kukanisa. Dans une œuvre, dans un projet. Mumatengenezo fulani. Il ne faut pas se retirer. Apana kurudia. Il ne faut pas abandonner ce projet là. Apana kuacha ile. Avant qu'il n'arrive à la fin. Bele ifike kumwisho. Ça sera comment? Itakuya je. Si tu entreprenons par exemple, on dit bon, allons construire twende tuyenge une église à Kimpese. Kanisa ku Kimpese. Toi, vous allez faire ceci. Toi, fulani, toi, fulani vous allez faire ceci. Vous commencez cette œuvre là. Munanze le kazi. On commence aussi quelque chose na bananza ko sur kitu ta robe ou bien sur ta maison là. Kunyumba yako au pankanzu yako kule. Si tu t'arrêtes à mi-chemin. Kama unashimamia katikati. La confection là aussi s'arrête là. Kule kushona na kwa nashimamisha. Si c'était un meuble qu'on était en train de fabriquer pour ta maison. Kama ni kiti ya munyumba banaacha. Peut-être qu'on avait déjà mis 2 pieds. Bali kwa nitaka kama mikulu mbili. C'est une chaise qu'on faisait pour toi, une chaise en or. Ni kiti kya zahabu juu yako. Tout est en or là-bas. Yote ni bya zahabu. Mais on a tu as vous avez fait la fondation. On a mis un pied. Et puis tu te retires. Tu vas trouver une chaise qui
seul pied. Takuta kichi kya mkulu moya. Ino muniweke mapie yote inese. Non, non. Tu avais arrêté. Uriachak. La matière avec laquelle on fabriquait ta chaise ici. Bindu ya kufanya byo kichi yako. C'est quand tu travaillais là. Ni wakati ulikuwa natumika. Quand tu travailles ici, le rapport qui vient ici, on nous apportait une quantité d'or, on fait tâcher. Comme tu t'es arrêté, riacha, on ne peut pas continuer. A tuta endelea. Non, pourquoi mi? Kanani unakuwa ni kanani akaka nikalaka saka ka single kanani ka gilet ka gilet kana mufika paka hapa tena keko ka njoo yake chemise. Sinon tu likafupisha tu parce que ulitumikaka nguvu sana kumwanzo kule. Mais 3 mois après na butut na njoto na sema comme ça tumfanyia taka gilet. Mais ka gilet autengia nako. Amen. Le fin lait, il est kitani nzuri. Ce sont les œuvres ni matendo juste. Ya waki. Les œuvres justes. Matendo ya waki. Il y a quelqu'un qui fait des œuvres. Fuku muta nafanya matendo. Mais il les fait en murmurant. Anaifanya na kunona nona. Il tient beaucoup de réunions. Wanafanya marenyo ya mingi. Il fait une œuvre mais il critique. Anafanya kazi anazarau. Il fait une œuvre mais il murmure. Anafanya kazi na kuriakana. Ça ce n'est pas une œuvre juste. Ila inatendo mzuri. S'il y a un résultat kama kuko matokeo pour lui dans l'atelier là, kwake mwile chapu, donc ça sera une œuvre ni kazi moya qui n'aura pas d'éclat. Aita kwa nangala. Il va porter ça, ataivuala, mais ça ne brille pas. Lakini aitanga. C'est comme si c'était déjà délavé. Kusanesha kuchuika. Le tout n'est pas de faire une œuvre. Aina tu kufanya tendo. Il faut la faire de tout cœur. Ifanye na moyo yote. Le tout n'est pas de poser une bonne œuvre. Aina kufanya tu kazi mzuri. Il faut la poser en son temps. Uifanye kwa wakati yake. Amen. Par exemple, kwa mfano, il y a quelqu'un mwingine qui a et qui dit non, niko na ndeni fulani na Mungu. Niko na ndeni ya kanisa. Non, non. Les œuvres justes. Matendo ya waki. Il y a aussi le délai. Kuko na wakati. La Bible dit tu ne différeras pas. Sema utasukuma kumbele. Tu ne vas pas renvoyer à demain. Utasukuma kumbele. Ce que tu devais offrir à Dieu aujourd'hui. Ilo lipasha kumpatia Mungu leo. C'est comme si tu lui préparais un repas aujourd'hui. Uso nampatia chakula leo. Et puis tu viens le lui donner une semaine après. Nampatia chuma moya kisha. Le repas perd sa valeur. Inapotesha onjo yake. Amen. Réjouissons-nous. Tufuraiwe. Soyons dans l'allégresse. We katika fura. Donnons-lui gloire. Tumutukuze. Car les noces de l'agneau sont venues. Karamu ya mwana kondoo inafika. Son épouse s'est préparée. Bibi arusi analitayarisha. Est-ce que tu t'es déjà préparé? Na wewe unesha kulitayarisha. As-tu déjà fait le geste solennel un jour? Ushakufanya kile tendo mkubwa. D'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Kuchika Yesu kama Bwana. C'est par là que ça commence. Ni pale binanzia. Si tu as formé la décision, passe maintenant devant. Kama kuna ile mpango pita kwa mbele. Celui qui dit j'accepte aujourd'hui Jésus. Wewe unasema leo naichika Yesu. Pour que mon nom soit inscrit. Jina yangu bayanjike. Pour que je sois aussi parmi les invités. Qu'il passe. Kati ya balikwa. Si aujourd'hui kama leo, c'est ça l'occasion que tu as. Ni batu napata, tu ne l'as pas encore fait dans un jour. Aujaifanyaka, tu n'as jamais été baptisé dans l'eau. Aujaibatizwa, si aujourd'hui tu as formé cette décision, kama leo, napata le mupango, on va écrire ton nom batanjika à la liste des invités. Kupale balikwa, et on te remet l'invitation. Kibarua, qui est-ce qui accepte Jésus? Yesu, qu'il vienne ici. Akaribie, qu'il lève sa main, qu'il se lève. Ashimame. N'attends pas que quelqu'un d'autre commence. Hapana kuchunga mwingine apite. Non, la Bible dit le royaume des cieux appartient aux violents. Ufalme wa mbingu wa bale ba nguvu. S'il s'agissait de distribuer
de l'argent ou de l'or ici, il n'y a personne qui dirait non, bafunge mbele macho. Il n'y a personne qui dirait non, bengine mbele banze. Qui est celui qui a pris la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur de sa vie, qu'il passe devant. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ton nom sera inscrit sur la liste des invités à la fête. Qu'est-ce qui passe devant? Aujourd'hui, nous n'allons pas fermer les yeux. Léo, tu t'as fini Camacho. Je me souviens à Golgotha, là, on n'avait pas dit aux gens fermez les yeux. Au Golgotha, parce que c'est mes bandes, vous finissez Camacho. Même à la cour, là, chez Pilate, chez le souverain sacrificateur Anne. Atakumpango kule kamkwani muku. Lorsqu'on flagellait Jésus, qu'on crachait sur lui. Quand ils m'ont aimé à mater, là, qu'on pique à m'interdire. Il n'y avait pas quelqu'un qui dit bon. Fermons les yeux, non, non. Abakusema tu funike macho. Qu'est-ce qui prend sa décision? Les yeux ouverts. Nanya nabeba mupango tu kuna macho ya kufunguka. D'accepter Jésus-Christ comme Seigneur de sa vie. Aichike bwana Yesu kama bwana wa maisha yake. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi. Sema ona takuwa na aya juu yangu. Jean qui aime toujours qu'on ferme les yeux. Mwingine napenda tu bafunike macho. Les gens qui ont honte. Jésus a condamné ça. Yesu alikatala ile. Si quelqu'un a honte de moi, kama mtu kona aya juu yangu, devant cette génération perverse, bele ya babantu bakwaribika, moi aussi j'aurai honte de lui ce jour. Kona aya yake. Qu'est-ce qui a décidé d'accepter Jésus-Christ sans honte? Wichika Yesu bila aya. Sans confirmer les yeux. Bila kufunika macho. Il n'y a personne. Hakuna mtu. Je pose la deuxième question. Qu'est-ce qui considère que effectivement moi j'avais déjà reçu l'invitation, mais pour l'instant je crois que je l'ai déjà égaré. Je voudrais que le Seigneur me restitue l'invitation. Tu avais déjà perdu, tu t'étais déjà égaré dans les choses de la terre, dans le péché. Et tu viens de te rendre compte que l'invitation là pour la fête, hein, tu l'as déjà perdu. Qui est celui qui se répand et qui veut que le Seigneur le restaure? Qu'il lui restitue l'invitation. Qu'il passe devant. Aujourd'hui, nous ne fermons pas les yeux. Il ne faut pas créer des habitudes là où il n'y en a pas. L'invitation. Mwito. Yeye mukozi nasi kumutumikia hata siku moja. Nitakwenda kukutana naye na mikono. Ouvre maintenant ton cœur. Ouvre la moyo wako.
Ouvre également ta bouche. Na fungula kinwa. Parle au Seigneur Jésus qui est là devant toi. Sema na Bwana eko mbele yako. Prions. Tuombe. Nitakwenda kukutana naye na mikono bure bila tu hata moja itakuwa haya kuwa nitakwenda Nafanya mwito ya mwisho. Peut-être toi, tu sais que tu n'as jamais perdu ton invitation. Mara zingine haujapotesha mwito yako. Tu as toujours été actif dans la foi et fidèle. Kanaka unatumika uko mwaminifu muimani. Dans la sanctification. Mutakaso. Mais seulement la façon dont tu fais les œuvres. Lakini namna unafanya ile makazi. C'est sporadique. Ni mara moya moya. Parfois tu commences une chose, tu ne l'achèves pas. Mara zingine unaanza kitu haumalize. Parfois tu fais une chose en murmurant. Unafanya kitu na kuriakana. Avec beaucoup de plaintes. Na kuomboleza. Beaucoup de critiques. Na mazarau tena. Mais tu fais quand même les œuvres. Lakini kunafanya kwa matendo. Les œuvres ne sont pas justes. Matendo aina ya uwaki. La Bible parle des œuvres justes. Asema matendo ya uwaki. Tu avais même une habitude de faire des dons. Ulikuwa na tabia kufanya kwa mazawadi. Tu as abandonné cette habitude. Unaacha ile tabia. J'avais l'habitude de servir de même avec ton savoir-faire, ton énergie. Ulitumikia Mungu na kujua kwako na nguvu yako. À la maçonnerie. Ujenga. Dans la construction. Majengo. Dans tel ou tel travail. Kazi fulani au kazi fulani. Mais chaque fois que tu as entrepris une chose, on n'arrive jamais à la fin avec toi. Kila wakati unaanza kazi haumalize. Bien aimé, cette église vous offre beaucoup d'opportunités. Pendwa kanisa inakupatia mabahati ya mingi. Parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire. Jo mko makazi mingi ya kufanya. Ce sont des opportunités pour construire. Ni mabati ya kujenga. Votre domicile au ciel. Makao yako kumbingu. Pour confectionner votre costume. Je vous assure, na kuhakikisha, si tu as commencé une chose, kama unaanza kazi, jusqu'à présent elle n'est pas terminée. Paka sasa imalizike. Il faut savoir que ufahamu kwamba, là au ciel, juu mbinguni, quand tu as commencé sur la terre, kama unaanza pa dunia. Au ciel aussi on a commencé quelque chose pour toi. Na kumbingu manaanza kitu kwa ajili yako. Tu as arrêté. Na kama unaacha. Au ciel aussi on a arrêté ce qu'on faisait pour toi. Na kumbingu manaacha kilo ulikuwa nafanya. Nous avons beaucoup de chantiers en souffrance sur cette église. Tuko na makazi mingi yaendeke pa kanisa. Munya. Munya. Kavula misabo. Kavula misabo. Kitemena, kitemena, kasungwe, kabungwe, kasungwe, kabungwe, kipese, kipese, lupaji, lupaji. Nous avons ça et là des choses. Tuko hapa na kule mabintu. Que nous avons commencé. Bila tulianza. Et que nous n'avons pas encore achevé. Bado hatujamaliza. On n'a pas achevé pourquoi? Tueni natumalize. Parce que c'est lui qui devait construire là. Ula lipasha kuyenga. Il s'est fâché. Anashirika. Ou bien il est
il n'a pas de temps, il doit d'abord faire ses choses. Anana wakati afanye mbeleka yake. Donc ce que nous avons commencé sur la terre, ile tulianza pa dunia, tant que nous ne l'avons pas achevé, kama tujamaliza, au ciel aussi on n'a pas achevé pour nous. Na kumbingwa batamaliza juu yetu. Souviens-toi de ton premier amour. Kumbuka mapendo yako ya kwanza. Souviens-toi de toutes les bonnes œuvres que tu faisais là. Kumbuka matendo mazuri ulikuwa unafanya. Quand tu faisais ces œuvres là, wakati ulikuwa unaifanya, on construisait pour toi. Balikufanishia na wewe. On confectionnait aussi ta robe. Balikushonea nkanzu. Quand tu as arrêté, wakati unaacha, l'atelier aussi du ciel a arrêté. Kampuni ya kumbingu inaacha. Tu étais partenaire dans le soutien pastoral. Urukia na musoutien pastoral. Dans la mission. Commission. Dans les œuvres d'assistance. Matende ya kusaidia. Quand tu faisais ça fidèlement. Wakati ulikuwa mwaminifu mile makazi. Nous aussi on confectionnait des choses fidèlement. Na wewe balikufanyia bintu na uaminifu. Quand tu as arrêté là. Wakati unaacha. Là aussi ça s'est arrêté. Na kumbingu banaacha. Celui qui n'aura pas le costume, ula sitakuwa na ile vazi, il n'entrera pas. Ata ingia. Même s'il serait déjà entré, ata kama takuya ndani, on va l'en faire sortir. Batamutosha mo. Il y a un chantier sur cette église. Kuko kazi pa ikanisa. Qui n'attend que toi. Iko na kuchunga paka weye. C'est toi le technicien. Ni weye fundi. Nous n'avons pas offrir à Dieu seulement l'argent. Atutoeke Mungu paka feza. Nous offrons aussi notre profession. Na kazi yetu tunaitoa. Je suis maçon. Niko maçon. Je suis menuisier. Niko menuisier. Je suis électricien. Niko natumika umeme. Je suis informaticien. Nafanya informatique. Je peux aussi offrir mes services. Natoa makazi yangu. Comme on offre l'argent. Bila wanatoa kafeza. J'ai mes deux bras et deux jambes. Niko na mikono mbili na mikono. J'ai l'énergie musculaire. Niko na nguvu ya mwili. Je peux aussi aller comme bénévole dans un chantier du Seigneur. Tenda kama mushamba ya Bwana. Tout ça ce sont des offrandes. Yote ni masadaka. Tout ça c'est un trésor pour toi. Yote dans ton compte. Ni akiba. Au ciel. Kumbingu. Réjouissons-nous. Tufuraiwe. Soyons dans l'allégresse. Tuwe katika furaha. Donnons-lui gloire. Tumutukuze. Car les noces sont arrivées. Karamu inafika. Jésus ne va plus tarder. Yesu ashitakawia. Le moment est là. Wakati inafika. Il est en route. Eko munjia. Il est en route. Eko munjia. Il vient avec sa malle d'agent payeur. Anakuwa na bantu ya kulipa. S'il y a quelque chose où tu étais attaché, kama kuku kintu mwe ulikuwa unafanya, s'il y a un ministère, kama kuko huduma moya, dans lequel le Seigneur t'avait placé, mule Bwana alikuweka, s'il y a des œuvres, des bonnes œuvres, kama kuko matendo ya mzuri, dans lequel le Seigneur t'avait plongé, mule Bwana alikuweka, ne te relâche pas. Hapana kuacha. Si tu abandonnes, kama unaacha, l'atelier qui est au ciel aussi arrête. Kampuni ya kumbingu na inaacha. Et ton ouvrage sera incomplet. Kazi yako haitaeneana. Ça ne te permettra pas d'entrer. Haitakuruhusu kuingia. La Bible dit ne nous lassons pas de faire le bien. Nasema tusichoke kufanya vizuri. Il ne faut pas céder aux intoxications des mauvais agents. Hapana kushikia bintu vya bantu babaya. Qui critiquent, qui passent tout leur temps à critiquer, à faire des réunions.
décourager les autres. Ce sont des agents du diable. Prions. Tombe. Ayafika kumwisho haifai ye akachirishi. Baba Mungu, mwalimu wa vya kweli ni wewe. Unafundishaka bantu kupita hii malalamiko yote mimi nafanye. Wewe unajua kufundisha avec acuité, avec efficacité. Tu sais les mots justes qu'il faut. Je te n'affaigne pas ni ma discours ni ma bavardage. Mais toi, tu as les mots qu'il faut. Fundisha bantu yako. Bakutumiki. Batembe mutakaso na bakutumiki. Bakapate vase, ya bey, la tenue du ciel, le costume de fête. Kufete ata unavua la bengiake na ngwa yoyote. Kukuma fête ingine banesha na kuanjika pa invitation, costume, tenue de ville exigée.